les amis, je m'appelle William Bruno et aujourd'hui je suis avec Alina. Bonjour les gars. Et il est juste 3h du matin. À cause de ces vidéos, notre cycle de sommeil est complètement cassé. Et maintenant à 3h du matin, nous sommes complètement réveillés et prêts à tourner les meilleures vidéos pour vous. On y va. Sous la dernière vidéo les gars, vous avez laissé 20 000 commentaires. Et c'est grâce à vous que nous tournons cette vidéo aujourd'hui, dans laquelle, qu'est-ce qu'on va faire, Alina? Dans cette vidéo, nous allons invoquer les animatroniques du soleil et de la lune à l'aide de boules de bain. Nous avons acheté sur un site web spécifique, mais nous vous en parlerons pas. Allez, on y va. Les gars, vous savez où nous les avons achetés, n'est-ce pas? Alors, pas la peine d'en reparler, parce que c'est trop secret. Mais ces bombes de bain, ça marche vraiment. Et d'ailleurs, elles sont où? Elles étaient là quelque part, je les ai vues, c'est sûr. T'as entendu ça? Oui. Qu'est-ce que c'était, Alina? Je sais pas, mais c'était quelque chose de grand et de bruyant. Écoute, tu peux te retourner voir qui est là? Non, mais pas cette fois, je ne suis pas très courageuse aujourd'hui. Les gars, je n'ai pas peur, bien sûr, mais Alina est très nerveuse en ce moment. Il y a une chose qui va augmenter son courage. Ça s'appelle l'abonnement à la chaîne. À chaque abonnement à notre chaîne, elle devient de plus en plus courageuse. Pourquoi tu l'auras dit? Pour que les gens qui ne se sont pas encore abonnés à notre chaîne puissent nous aider à devenir plus courageux. Pour être honnête, je suis aussi un peu inquiet, les gars. Donc c'est notre échelle de bravoure et on a besoin de votre abonnement pour que notre bravo fasse pow et montre en flèche. C'est vrai, on a vraiment besoin de votre aide, les gars. Tu le sens? Wow, 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 ils arrivent, wow, wow. Nos abonnements s'envolent vers cette échelle. Wow, wow. En fait, bon, maintenant j'ai pleinement confiance en moi. Qui avons-nous là? Personne ici. Y a personne ici? Non, mais regarde ces petites bombes de bain. Tu les as mis par terre ou quoi? Mais qu'est-ce qu'ils font là? Je suis content de les avoir trouvés, je pensais qu'on les avait déjà perdus. Les gars, regardez, c'est la boule de bain du soleil et c'est la bombe de bain de la lune. Ils ressemblent vraiment aux vrais animatroniques et ils se ressemblent comme deux gouttes d'eau. Les instructions disent qu'elles ne peuvent en aucun cas être jetées dans le bain à 3h du matin et en même temps. Ils ne peuvent être utilisés qu'une par une. Mais vous savez que nous allons faire exactement le contraire. Il est 3h du matin et nous les jetons dans le bain tous en même temps pendant que je serai à l'intérieur. Allez, on y va. Allons-y, essayons. Bon, eh bien, allons-y, Alina. C'est toi qui montais, pas moi. Oui, bien sûr que moi. Il y a deux boules superbes ici, je veux les tester moi-même. Quoi, tu rentres habillé comme ça, comme la dernière fois? Oui, parce que ces boules de bain ne doivent être jetées qu'en étant habillées. Ok, c'est parti, je rentre. Ah, qu'est-ce que tu crois qui va se passer maintenant? Nous n'avons jamais jeté deux boules de bain en même temps. Mais moi, je pense que le soleil va venir jouer avec nous. S'ils viennent tous les deux comme la dernière fois, nous aurons alors des gros problèmes. Alors peut-être devrions nous y réfléchir à nouveau et à considérer s'il faut jeter ces bombes de bain. Non, nous les jetons de toute façon. Les gars, 3, 2, on y va. Wow, 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 wow. Regarde, l'effet est doublé. Le voilà à gauche et à droite, tout sifflant. C'est un drôle de son. D'accord. Le soleil est très beau. Oui, regarde ici, l'eau devient jaune. Oui. Wow. Pourquoi la lune est-elle blanche? Parce qu'elle est aussi blanche dans la réalité. Elle siffle, siffle, siffle. Allons-y, c'est parti. On dirait qu'il se passe quelque chose là. Sérieusement, je sens encore rien, moi. Mais il me semble que quelque chose va commencer maintenant. T'as acheté des produits défectueux? Alina, ils ne sont pas encore complètement dissous. Regarde combien il en reste. Écoute leur sifflement. Mais il y a peut-être un jouet à l'intérieur. Vérifions une fois qu'elles sont complètement dissous. Alors, ouvrons-les déjà. Ouh, c'est vrai? Regardez les gars, les bombes sont complètement dissoutes. Les aventures veulent commencer maintenant. Oh, oh, Alina, regarde ce qui se passe. Alina, ah, je crois que ça commence à marcher. Qu'est-ce qui se passe, Bruno? Bruno, c'est toi? Il est là. Alina, regarde. Bonjour, mes amis. Nous nous sommes à nouveau rencontrés. Ah, il est vraiment là. Eh bien, jouons et amusons-nous. Nous n'avons pas eu de chance la dernière fois, mais aujourd'hui, tout va bien se passer. Pourquoi tu nous avais si peur, diable ensoleillé?
sûr qu'Alina va se débrouiller. Les gars, juste pour que vous sachiez, nous n'avons pas convoqué le soleil aujourd'hui sans raison. Aujourd'hui, nous allons découvrir ce qu'il y a dedans les animatroniques du soleil et de la lune. Détachez-moi, allons jouer, ça va être amusant. Jouons, les gars. Oui, on va jouer maintenant, t'inquiète pas, on va jouer à la chirurgie. Oui, c'est mon jeu préféré, on va te montrer maintenant. Les gars, on a un tas d'instruments médicaux ici, et maintenant, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Allons jouer. La première chose à faire est de déboutonner sa chemise, mais nous voulons quand même que le soleil ressemble à un soleil. Qu'est-ce que vous faites? Et si on jouait? Je veux jouer. C'est... Il faut le faire taire au plus vite. Soleil, donne-nous une minute et nous commencerons notre jeu. Au cas où, pour que vous le sachiez, le soleil est un robot. Il ne lui arrivera donc rien de grave. Nous allons simplement l'éteindre à l'instant, vérifier ce qu'il y a à l'intérieur et le réparer. Oui, c'est un animatronique, donc il ne sentira rien. C'est sécurisé. Et si on jouait? Avant de déjà commencer à jouer, qu'est-ce que vous faites? On va bien s'amuser. Qu'est-ce que vous Attends, faites? Attends, hey. Je vais essayer d'atteindre sa batterie le plus vite possible. Les gars, la dernière fois que nous avons ouvert Freddy, nous avons découvert un fil responsable de l'alimentation électrique. Il faut donc trouver Sophie et le couper. Allez. À l'intérieur de l'animatroc Freddy, il y avait un fil vert qui alimentait l'unité de puissance. Nous allons le couper et le soleil devrait s'éteindre. Hop, je l'ai coupé. Ok, on dirait que... Jouez, jouez. Allons jouer! Mince, je me suis trompé de fil! Cherche un autre! Cherche le plus évident! Oh, regarde ce gros fil! Les gars, faisons un jeu ensemble! Ce serait amusant! Alors, écoute, c'est peut-être celui-là? On va l'essayer! Et... j'ai coupé! Je l'ai coupé cette fois-ci! Oui, ça a marché! Ouh. Allez, vite, on va voir ce qu'il y a d'autre! Alors, les gars, cet animatronique, le soleil, est désactivé pour l'instant. On va certainement le réparer, mais pendant qu'il est désactivé, on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. En quoi elle est constituée? C'était une coupure profonde, regarde! Écoute, Alina, je crois que je vois quelque chose, mais c'est difficile à atteindre à cause des fils. Jouez! Bon sang! Maintenant, on y... Il ne me semble pas être désactivé! Essayons comme ça! Écoute, je pense que maintenant nous l'avons cassé, c'est sûr. On le réparera plus tard de toute façon, mais il vaut mieux qu'il reste inconscient pour l'instant. Cette fois-ci, c'est bien éteint, mais nous avons besoin qu'il soit déconnecté pour une opération prudente. Et qu'est-ce que c'est que ça? Une ampoule, les gars! Une ampoule? Une ampoule ordinaire! Fabriquée en Chine! Pourquoi a-t-il mangé une ampoule? Je pense que c'est très simple. C'est le soleil. Il est attiré par toutes sortes de choses qui brillent. Et il est très probable qu'il l'ait mangé pour que la lumière soit vraiment à l'intérieur de lui. Donc selon ta logique, si le soleil brille autant, c'est parce qu'il mange uniquement des ampoules? Peut-être pas seulement des ampoules. Continuons à chercher. Je garde ça pour l'instant. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Je vois qu'il y a vraiment beaucoup de choses à l'intérieur. Oh, je vois quelque chose. Continue à chercher là-bas. Regarde plus loin. C'est sûr qu'il y a quelque chose. Alina, regarde! C'est un paquet de marshmallows! Il y en a tout un paquet ici! Mais pourquoi c'est à l'intérieur de l'animatronique? Oh, regarde, il y a encore plus de sucreries! Mais c'est comment en œuf, en chocolat entier? Regarde, il y a des Chupa Chups et d'autres sucreries! C'est génial! Non, ne fais pas ça! C'était dans son ventre, donc il a digéré! Et tu mangeras son repas digéré! Dans mesure que j'aurai moins de travail, je n'ai pas à digérer moi-même! Ne le faisons pas au moment devant la caméra! Bruno est mangé de tout, peu n'importe d'où ça vient. La seule chose que je ne comprends pas, c'est pourquoi le soleil a mangé toutes ces sucreries. Il n'en a pas vraiment besoin pour exister, c'est un robot. Tu te souviens quand le soleil était dans son parc d'attractions? Il s'amusait avec les enfants et apparemment il a pris tous leurs bonbons, les a mangés. C'est un tuteur. Quel genre de tuteur vole les bonbons des enfants et les mange? Il ne les a même pas déballés. Oui, il avait probablement peur qu'ils aient des caries. Ne le mange pas. Je les jetterai plus tard, c'est promis. Les gars, vous croyez vraiment que William Bruno va jeter tous les bonbons? Si vous n'y croyez pas, écrivez « je n'y crois pas » dans les commentaires. Il y a peut-être même un hamburger. J'espère qu'il n'y a plus rien à manger. Alina, c'est vraiment bizarre ça. Regarde. Ce sont des ballons? Oui, ce sont... Oh, oh. Ce sont des vrais ballons. Je ne comprends pas comment ils s'explosent pas. Il y a tellement de rouages et de fils à l'intérieur. Une seule étincelle pourrait les faire exploser. Mais ils ont tous survécu. Et je suis surprise qu'ils soient si petits. Ils sont là depuis longtemps. Ils devaient être plus gros au départ, tu ne crois pas? Écoute, il y a peut-être quelque chose à l'intérieur. Non, ils sont vides. Attends,
Ça venait de l'entrepôt? Bah vérifiez maintenant, allez, je vais rester ici et le garder, sinon il va servir et d'autres animatroniques vont venir le sauver. Je le surveille, d'accord? T'as tout compris? Pourquoi c'est toujours à moi de faire la partie la plus dure? Les gars, vous allez avec William Bruno, moi je reste ici pour l'instant. Les gars, il y a quelqu'un qui lance des objets dans l'entrepôt. Mince, j'ai vraiment peur d'y aller. Mais comme vous avez été nombreux à vous abonner au début de la vidéo, je ne peux pas vous décevoir. Alors je vais être courageux et voir qui est là. Les gars, c'est Chica qui s'amuse dans notre entrepôt. Il faut prévenir Alina dès qu'il sera possible. Alors les gars, je crois que j'ai trouvé quelque chose. Alina, Alina, il y a Chica qui fait des bêtises dans notre entrepôt. Tu veux dire la Chica? Écoute, probablement parce que nous avons utilisé deux boules de bain en même temps. Quelque chose a mal tourné et non seulement le soleil est venu vers nous, mais aussi le reste des animatroniques. Peut-être que sont-ils venus pour nous sauver? Rappelle-toi, les animatroniques sont venus pour sauver Freddy, maintenant ils sont là pour le soleil. Quoi qu'il en soit, je pense que nous devons accélérer notre opération. Allez, sors le reste de ce qu'il y a. Oh! Quoi? C'est Steve? Quoi? Les gars, est-ce que ce sont des peluches? Un autre! Les gars, ce n'est pas qu'une peluche. Regardez ce qu'il y a à l'intérieur. C'est une licorne qui se transforme en chat volant? Wow! C'est comme le soleil et la lune qui peuvent se transformer l'un en l'autre en fonction de la situation. Pourquoi le soleil a-t-il mangé les jouets? Peut-être s'agit-il de jouets d'enfants avec lesquels le soleil jouait? C'était leur jouet préféré, peut-être. Écoute, je crois de moins en moins que le soleil soit un bon professeur. Quel prof prendrait les jouets des enfants et les mangerait? Tu sais, peut-être que le soleil jouait avec ses jouets et qu'il les a mangés par accident? Oh, je sais pas, bon, continuons déjà. Regardez, Sophie, ici, qu'est-ce que vous faites? Tu fais quoi, là? Écoute, il y a des animatroniques, alors j'ai fermé la porte au cas où. Ah, allez! Ah, c'est un fil? Ce n'est pas un fil, c'est une lampe de poche. Je crois qu'il y en a une autre, là. Un fil ou une lampe de poche? Ah, une lampe de poche? Pourquoi? Ah oui, il mange tout ce qui brille. Mais pourquoi on a besoin d'une lampe de poche? Écoute, une lampe de poche gratuite, c'est utile de toute façon. Oh, où est la lumière? Alina, c'est le moment idéal, je te l'ai dit. Attends, si la lumière est éteinte, le soleil devrait se transformer en lune, mon sang. Attends, t'inquiète pas. Tout d'abord, nous l'avons attaché pour que nous soyons en sécurité. Deuxièmement, il faut faire vite. Il va falloir allumer la lumière et je continue l'opération pour l'instant. Regarde. Pourquoi c'est toujours moi qui prends la mission la plus dangereuse? Peut-être que tu iras cette fois-ci? D'accord. J'y vais, tu vas rester seul ici avec la lune. D'accord, je vais y aller. Écoute, tu es déjà en route. Je sais où se trouve l'interrupteur. J'ai déjà voulu devenir électricien. Je savais qu'il ferait ça parce qu'il a peur de rester avec la lune après la dernière fois. Mais je n'ai pas vraiment peur, moi. Les gars, voyons ce que la lune a à l'intérieur. Parce que la lune a probablement quelque chose de plus intéressant que le soleil. Parce que la lune est un personnage maléfique. N'est-ce pas, la lune? Ouais, de toute façon, tu ne me répondras pas. Bon, alors, il doit y avoir un interrupteur électrique quelque part. Les gars, attendez. Je crois qu'il y a quelqu'un. Les gars, c'est Bonnie! On dirait que c'est lui qui a éteint la lumière! Bon sang! Au moins, il m'a pas remarqué jusqu'à présent. Maintenant, il va partir et je vais rallumer la lumière. Il semble que Bonnie s'en aille. Oui, elle s'en va. C'est l'occasion d'allumer la lumière. Viens avec moi. Alors, bon sang! Cet interrupteur est tout étincelant! On dirait que Bonnie s'est trompé quelque part. Ok, essayons maintenant. Bon sang, non, c'est une mauvaise idée. Ok, je vais essayer de trouver un autre interrupteur. Voilà. Peut-être que ça va marcher ici. Mince, c'est un droid. Je ne sais pas du tout comment travailler avec un droid. Ok. Non, il ne marche pas du tout. Apparemment, Bonnie a bousillé tout notre système d'alimentation électrique. William Bruno est parti. Ma mission est maintenant de voir ce qu'il y a à l'intérieur de cette lune. Bon, les gars, on doit se dépêcher. Vous entendez ça? Oh, les gars, c'est une chaîne! Et pourquoi elle est si longue?
Écoutez, je n'ai pas encore réfléchi à la raison pour laquelle cette chaise se trouve à l'intérieur de la Lune. Bien que, les gars, je pense que je peux deviner pourquoi elle était à l'intérieur de lui. Parce qu'elle attachait les enfants méchants avec cette chaîne et les gardait sur une chaîne. Il faut donc la garder comme preuve. Vraiment, il faut bien tout garder. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Oh, il y a quelque chose de tranchant. Les gars, il y a une sorte de verre ici, très similaire à une ampoule. Je me souviens qu'il y avait aussi une ampoule à l'intérieur du soleil. Mais elle était un seul morceau. Et je sais pas pourquoi elle est cassée à l'intérieur de la lune. Je comprends que le soleil ait besoin d'une ampoule pour briller, mais pourquoi elle est cassée de la lune? Les gars, j'espère que je vais trouver quelque chose de super intéressant pour que plus tard je puisse me vanter un peu devant Bruno pour dire que j'ai trouvé quelque chose de cool. Qu'est-ce que c'est que ça? Un fil de fer! Les gars, ce n'est pas un fil! C'est une corde! Elle est si longue! Je n'arrive pas à imaginer combien d'enfants pourraient être attachés avec cette corde! Je suis vraiment sûre que ce n'est pas tout! Écoutez, les gars, tout ça me donne la chair de poule! Et ça m'inquiète! Et vous savez quoi? J'espère que l'animatronique dont parlait William Bruno n'est pas là! Qu'il est parti! Et si vous remarquez quelqu'un, dites-le à moi! Peut-être qu'en écrivant dans les commentaires, écrivez quelque chose comme « Les animatroniques sont là! Alina, cours s'il te plaît! Je me sens vraiment mal! » Mais je pense qu'il y a quelque chose d'encore plus terrible. Les gars, ça me donne la chair de poule de mettre maman là-dedans maintenant. On ne sait jamais, peut-être qu'il y a une sorte de piège et il va me mordre la main. Ok, il y a quelque chose de doux. Qu'est-ce que c'est que ça? Les gars, ce sont des chaussettes! Une paire de petites chaussettes! Regardez, on dirait que cette chaussette a été mâchée! Vous comprenez maintenant? Ce sont des chaussettes de petits enfants! Peut-être que la lune ne les a pas seulement tachées, mais qu'elle les a aussi mangées! Mais les gars, vraiment! Il y a d'autres chaussettes ici! Oh, je dirais pas ça, Bruno, pas question! J'espère que ce n'est pas vrai du tout! Mais regardez, la preuve est entre mes mains! Écoute, Alina, je n'ai pas pu allumer l'électricité, mais j'ai trouvé un générateur! Et j'ai aussi rencontré plein d'animatroniques sur le chemin! Qui est-ce que tu as là? J'ai de la glace ici! À l'intérieur de cet animatronique de la lune, il y a tout un tas de glace! La lune est l'un des satellites les plus froids! T'as dit animatronique? Oui! Il y a beaucoup d'animatroniques! Pourquoi beaucoup? Il y en avait qu'un seul! Non, il y en a pas un seul! Quand j'ai pris le générateur, j'ai vu un Springtrap! Il est déjà là! Écoute, on n'a pas le temps de discuter! Au moins, allumons ces lumières! Utilisons le générateur! Oh, Alena, maintenant tu vas avoir de l'électricité! Voici la prise! Alors, tu es prêt à éclairer ton laboratoire? On va avoir la lumière! Allez, on y va! Y en a! Allez, on commence l'opération! Faisons vite! T'as dit qu'il y avait des animatroniques! Alors, ok, tiens, regarde, un bouton noir et rouge! Tu sais quoi? Il faut pas faire ça! Alors, zut! Non, ça ne marche même pas! C'est le silence total! Tu vois? Les enfants! On n'est pas vilains! On dirait qu'il s'est allumé! Ah, vas-y, Alina, vas-y! Je cours! Les enfants, je vais vous punir! C'est l'heure d'aller au lit! Je te l'ai dit, n'appuie pas sur ce bouton! N'appuie pas sur ce bouton! Attends, tu le vois? Je le vois! Cours, cours, cours! Stop! Chica! Allons vers la sortie! Bon sang! On y est presque! Il y a quelqu'un d'autre ici! Qui? Regarde! Cours! Allez, suis-moi, Alina! Bruno! Les gars, par un mois, il s'enfuit! Springtrap est déjà là! Alina, on peut se cacher ici? Où est Alina? Bon sang! Chez vous, les gars, allez, entrez! Bon, les gars, on dirait qu'il n'y a personne ici. C'est vrai, tout a commencé avec des bombes de vent. Tout ce que j'ai à faire, c'est de vider l'eau. Courons. Quelqu'un a barré la porte. Les gars, ça ne bougera pas, j'en suis sûre. C'est ça. Bruno, tu m'entends? C'est moi,
Chloé, où es-tu? La porte est bloquée ici dans la salle d'eau. Il me faut un pied de biche, plus vite. Je vais le chercher tout de suite. Les gars, la baignoire avec les bombes de vent est là derrière la porte. Et si nous vidons l'eau, le soleil et la lune disparaîtront. Et avec un peu de chance, tous les animatroniques disparaîtront aussi. J'attends Bruno. Bon sang, où peut-être ce pied de biche? Ce n'est pas du tout un pied de biche. Les gars, je crois que j'ai très peu de temps et je n'aurai probablement pas le temps de trouver un pied de biche sans vous. Mais j'ai cette boîte, une boîte magique, et il y a écrit like. À l'intérieur de cette boîte, je peux trouver un outil nécessaire à ma survie. Mais le seul moyen de l'ouvrir est de remplir la boîte de like. Je sais que vous pouvez le faire. Allez les gars, c'est parti. Tous ceux qui regardent cette vidéo maintenant, cliquez sur le bouton like et ainsi vous nous sauverez Alina et moi. C'est parti les gars. Qui peut faire mieux, hein? Oh, les voilà, hop. Oui, j'ai attrapé tous les likes. Oh, attends. Hop, désolé, deux de plus, merci beaucoup. Très bien. Oh, oh. C'est ce qu'il nous faut. Bon sang, il faut se dépêcher de rejoindre Alina. Ouais, William, Bruno, bon sang. Recule, Alina. Oh. Oh. Super, les lumières se sont allumées ici. Vous avez vu ça? Aide-moi. Allez, on compte jusqu'à 3. 3. On a vidé l'eau. Les animatroniques devraient avoir disparu. Jetons un coup d'œil en faisant attention. Et si quelque chose s'est mal passé et qu'ils sont encore là? Et bonjour mes amis, je m'appelle William Bruno et aujourd'hui c'est Alina qui m'aide à filmer. Et vous savez ce qui va se passer aujourd'hui? Nous allons appeler les deux démons les plus légendaires de l'SCP. Carton Cat et Carton Dog, et ce n'est pas pour rien. La dernière fois que nous avons vu Carton Cat et Carton Dog, ils ont disparu, ils se sont enfuis. Vraiment! Nous nous demandons s'ils sont encore vivants, s'ils vont venir chez nous, et puis ben enfin, qu'est-ce qu'ils vont faire les deux? On se demande vraiment où sont-ils passés, les gars, la dernière fois? Est-ce qu'ils sont encore vivants? Les gars, j'ai encore le numéro de Cartoon Cat, je l'ai gardé, et Alina a réussi à obtenir le numéro de Cartoon Dog. Et qui tu veux appeler en premier, toi? Je pense que, comme je connais Cartoon Cat depuis longtemps, il décrochera son téléphone tout de suite. Et s'il est encore vivant, quoi. Et on sait pas trop ce qu'on va faire avec ce Cartoon Dog. Et c'est pour ça que j'aimerais commencer par Cartoon Dog, Alina. Parce que nous le connaissons pas très bien encore. Écoute, je pense que nous devrions commencer par appeler quelqu'un qui vient à 100% et de dire ensuite à Cartoon Dog que Cartoon Cat lui a dit oui tout de suite. Ah, désolé, Alina. Qu'est-ce qui t'arrive? Alina, j'ai un truc avec mon bras. Et ma jambe. Les gars, je suis en train de me transformer en un énorme bouton d'abonnement rouge. Alina, qu'est-ce qui se passe? Moi aussi je me transforme en bouton rouge. Et les gars, ce n'est pas le bon moment. On peut pas se transformer en bouton rouge maintenant. C'est vrai, Alina a raison les gars. Il faut qu'on règle ça d'une manière ou d'une autre. Et on ne peut pas le faire sans vous les gars. Les gars, si vous avez un bouton rouge comme celui-ci sous votre vidéo, ou un de ces boutons rouges là. Ouais, les gars, vous avez nos vies entre vos mains maintenant. Et vous pouvez vraiment nous sauver la vie. Cliquez sur le bouton rouge sous la vidéo et nous serons guéris directement, les gars. Cliquez, allez, clique sur le bouton rouge. Cliquez. Et pow. Et tout est normal maintenant. Merci beaucoup, les gars. Je suis normal maintenant. Je ne suis plus un bouton. Il faut passer aux choses sérieuses maintenant et appeler Cartoon Dog. Stop. Réfléchissons bien dès le départ. Nous invitons deux créatures les plus fortes de ce monde entier. Écoute, pourquoi ne pas résoudre ces problèmes plus tard, quoi? On s'en fout, ok? Moi, j'aime bien me lancer dans les aventures et c'est pour ça que je suis déjà en train d'appeler. Écoute, tu sais, j'aurai bientôt besoin de ça, je pense. Écoute, c'est un bon outil, ça. C'est le mien. D'accord, si tu veux, tu peux me protéger avec. D'accord, comme toujours, quoi. En général, t'as des difficultés et je dois sortir ma patte pour tout régler. Ok, les gars, on va appeler Cartoon Dog maintenant. J'ai presque fini, là.
D'accord, tu es prête? Bien sûr, je suis toujours prête. Ça y est, j'ai écrit le numéro, les gars. On va appeler Cartoon Dog. Essayons de passer à un appel vidéo aussi. Regardez la musique qu'il a mis sur l'appel. Il aime la musique, apparemment. Allez, décroche, allez. Oh, ouais. Oh. Bonjour. Bonjour. Il dort? Non, il grogne, je ne sais pas pourquoi. Regarde, c'est vraiment Cartoon Dog. On voulait savoir si tu avais envie de participer à notre vidéo. Je ne sais pas ce qu'il fout là. Demandons-lui comment il va. Cartoon Dog, comment vas-tu, mec? Ça va, mec. Oh, regarde, Alina, il a allumé la vidéo. Bientôt, je vais venir dans votre studio. Et je m'occuperai de vous. Oh, il a raccroché. Qu'est-ce qu'on lui a fait? Je ne sais pas pourquoi il a commencé à aboyer. Il s'est mis à aboyer quand on l'a appelé. Comme un vrai chien, quoi. On l'a juste appelé, quoi. Pourquoi il est si agressif? Et il a dit qu'il allait venir. Écoute, tu as bien fait de prendre une batte. Bien sûr que c'est bien. Il y a le mec de CP qui arrive. Bien sûr qu'on a besoin d'une arme. Cachons-nous et appelons ton chat là. Les gars, vraiment, on dirait qu'on va avoir de gros problèmes là. Cartoon Dog va arriver au studio d'une minute à l'autre, putain. Il faut donc trouver une bonne cachette avec Alina et appeler Cartoon Cat. Bruno, t'es où? Pourquoi tu t'es enfui? Je me suis caché. Mais comment ça, Bruno? Viens ici, c'est un endroit normal. Appelle ce putain de chat. D'accord. Tu es sûr que c'est la meilleure cachette? Mieux que la tienne. Voyez tes fesses là-bas, tu sais. On voit toujours les tiennes, t'as compris, hein? T'es prêt à appeler ton ami, toi? Bon, maintenant, les gars, on va appeler Cartoon Cat pour qu'il nous aide à calmer ce putain de chien. D'accord, j'appelle Cartoon Cat. J'espère qu'il va bien et qu'il va répondre, quoi. Allez, réponds, punaise! Salut, les gars! Qu'est-ce que vous voulez? Salut Cartoon Cat, c'est nous! Écoute, on a appelé Cartoon Dog et il a dit qu'il venait dans notre studio! Qu'est-ce qu'on fait là? Et Cartoon Dog, il était méchant ou pas? Il était très fâché, Cartoon Cat! D'accord, je t'ai compris. Attendez-moi au studio et essayez de vous cacher. Et moi, je vais essayer de résoudre votre problème avec Cartoon Dog. Je serai bientôt là, c'est tout. Salut, mec! Merci beaucoup, Cartoon Cat. Il a raccroché. Bon sang, c'est un si bon ami. C'est vrai qu'il fait parfois des choses horribles, mais dans l'ensemble, c'est un bon chat. Je crois qu'il a changé depuis qu'il a été dans ton corps. C'est bien que Cartoon Cat vienne, je me sens en sécurité. Mais tu crois que Cartoon Cat va vraiment nous aider? On dirait que Cartoon Dog est déjà dans notre studio. Zut, pourquoi il bouge si vite? Je ne sais pas, apparemment les chiens sont rapides. Écoute, tiens ça. Va vérifier. Qu'est-ce qu'il y a à vérifier? Je suis sûr qu'il est ici dans notre studio. Bruno, t'es un homme, t'es costaud. Je pense que c'est toi qui dois vérifier. Allez. Merde. Donc c'est comme ça que tu me protèges? Tu as pris une batte pour que je l'utilise, moi, n'est-ce pas? T'as de la chance d'avoir une batte, en fait. Bon, Cartoon Dog, j'espère qu'on va pas se rencontrer. Peut-être que nous n'aurions pas dû l'appeler, finalement. Bravo, Bruno, il est déjà quelque part dans le studio. Félicitations, quoi. Mais s'il est juste derrière la porte, Alina? J'espère que non. Où est-ce que tu vas, là? Eh bien, pour vérifier s'il y a Cartoon Dog ou non. Allez, suis-moi, Alina. Maintenant, il faut vérifier chaque pièce, quoi, pour savoir où se trouve notre ennemi. Tu vois quelqu'un? Je crois pas. Il y a que toi ici. Alina, regardons partout. Je vais vérifier ce tiroir maintenant. Vas-y, regarde. Qu'est-ce qu'il y a? Bon, on a une putain de souris là. Bon, là ça va là. C'est quoi ou quoi? Quelle souris? Pourquoi tu me fais peur? Tu l'as fait exprès, tu me fais peur. Je ne te mens pas, Alina. Je me suis battu courageusement pour... Il grogne quelque part derrière les murs. Ah, ok, les gars. Vous savez ce que j'ai compris? Cette batte, elle va pas nous suffire, quoi. Nous avons besoin d'une vraie force, quoi, les gars. Je pense que vous savez comment l'obtenir. Si nous nous mettons tous ensemble et que nous cliquons sur les likes sous la vidéo, toute la puissance des likes ira directement dans cette batte. Et donc, elle aura un coup 100 fois plus fort que d'habitude. J'ai entendu cette légende que lorsque des abonnés rassemblent 100 000 likes et les mettent dans une arme, cette arme devient...
devient vraiment spécial. Allez, les gars et les filles, je crois en vous. Oh la vache, les gars, on l'a fait. Nous avons une super méga batte maintenant. Avec cette arme, on peut vraiment neutraliser ce chien débile. Écoute, allons vérifier le reste de la pièce. Attends, j'entends des bruits qui viennent de la grande pièce où nous étions là. Il faut retourner là-bas. T'entends quelque chose? Pas encore, non, je crois pas. Allez, Bruno, écoute, on va vérifier toute cette salle, après on réfléchira à ce qu'on va faire. Ouais, quand est-ce que Cartoon Cat va arriver? Parce que c'est une arme puissante, bien sûr, mais j'ai quand même besoin de son aide, quoi. Il était juste là, Alina. Je ne vois rien du tout, moi. C'est vide ici. Écoute, nous devons vérifier le reste de la pièce pour savoir exactement où il est. Avant qu'il ne nous trouve, lui. Oui, t'as raison. Il faut fouiller les autres pièces pour trouver Carton Dog. Mais moi, je préfère de rester ici. Il n'est certainement pas ici. Je défendrai cet endroit, mais j'ai besoin de la batte pour ça. Bah, si tu veux, tu peux rester, mais j'ai besoin de la batte, moi aussi. Mais attends, donne-moi cette batte, parce que t'as déjà marché avec. Et maintenant, c'est mon tour. Et c'est chacun son tour, allez. Bon, reste avec cette batte, mais les abonnés iront avec moi, alors. Je suis sûr que tu arriveras rapidement si t'en as besoin. Dès que tu le vois, cours jusqu'ici. C'est ça, allez, allez, cher Bruno. D'accord, bon, allez, les gars, suivez-moi. Bon, Alina, s'il y a un problème, appelle-moi, je viendrai t'aider. Il faut vite trouver où se trouve ce Cartoon Dog pour savoir de quel côté attendre le danger. Je n'aime pas être seul, moi, pour être honnête. Même si Alina est une fille, je me sens plus en sécurité avec elle. D'accord, j'irai vérifier l'entrepôt. Bon, j'ai regardé partout, là, et dans ce studio... Je ne suis pas sûr d'avoir le temps de me préparer pour mon combat avec ce Cartoon Dog, mais bon, au cas où, j'ai ce truc d'entraînement, moi, là. Hop là, les gars, j'ai regardé partout et je ne sais pas ce que je fais, là. J'ai regardé dans l'entrepôt, j'ai regardé dans les douches, j'ai regardé dans notre loge, il n'y a personne nulle part. Je ne sais pas, peut-être que ce n'était pas Cartoon Dog qui aboyait, en fait. D'accord, je vérifie encore un endroit et je reviens vers Alina. Les gars, je regardais les statistiques de la chaîne ce matin et j'ai découvert que les garçons étaient plus nombreux que les filles à liker. Les filles ne mettent que 30% des likes, ce n'est pas bien du tout. Alors je m'adresse aux filles maintenant, si vous m'entendez, likez la vidéo et s'il vous plaît, on va battre ces garçons. Bon les gars, il n'y a pas de Cartoon Dog ici non plus, et c'est plutôt bien ça. Oh, vous l'avez entendu? Ça doit être la chambre d'Alina. Je ne sais pas ce qui est derrière le mur, mais j'espère que William Bruno va bientôt arriver. Et si c'était Cartoon Dog? Bon, je peux pas risquer là, à l'heure où j'attends. William Bruno! Bruno, t'es où? Alina, j'ai entendu ce bruit étrange et ton appel à l'aide! Non, tu n'es pas le seul à l'avoir entendu. Regarde comme il frappe, c'est imbécile. Et si c'était Cartoon Cat qui est déjà là? Allez, ouvre. Écoute, ça me fait peur. Bon, pour une bonne vidéo, je suis prêt à l'ouvrir. Mais prépare-toi à l'attaquer. Comme ça? Ah ouais. J'ouvre. Enfin, vous l'avez ouvert. D'accord. Salut, William Bruno. Salut Cartoon Cat, et nous, on était en train de t'attendre. Hé, hey, où est Cartoon Dog? Je vais lui botter le cul, là. Écoute, je ne sais pas, pour être honnête. J'ai même pensé, et Alina aussi d'ailleurs, que c'était Cartoon Dog qui frappait, là. On l'a pas vu du tout, mais on l'a entendu. Il est donc quelque part dans le coin, peut-être que tu sais où il est. D'accord, nous allons vérifier maintenant. Je sens que Cartoon Dog est dans cette maison. Il n'est pas loin. Il est juste par là. Écoute, Cartoon Cat, je crois que tu te trompes. On a cherché partout et on n'a rien trouvé, quoi. On dirait qu'il se moque vraiment de nous. Écoute, Cartoon Cat, mec, pourquoi il fait ça? Cartoon Cat, qu'est-ce que... T'es sûr qu'il est pour nous, lui? On dirait qu'il sent vraiment quelque chose. Alina, on a tout fouillé, là. Il n'y a rien ici. Je te dis la vérité. Il n'arrête pas de renifler, les gars. Qu'est-ce qu'il a trouvé? D'où il vient, putain de carton?
n'était même pas là. Regarde, Cartoon Dog a frappé Cartoon Cat. Cartoon Cat, allez. Bats-toi, Cartoon Cat. Cartoon Cat. Pas grave, Cartoon Dog. Je vais te défoncer la gueule là. Tiens, attends. Tu ne pourras jamais le faire, tu as perdu. Non, Cartoon Cat ne perd jamais. Je vais encore garder ta vie, chat d'Imron. Écoute, Alina, je pense que Cartoon Cat a un petit problème là. J'espère qu'il va quand même reprendre ses forces et il va gagner. Bon, je crois que ça ne sert à rien d'attendre. Il faut aider mon ami. Cartoon Dog, laisse-le tranquille. Oh, quel coup de poing. Je m'attendais pas à ce que Cartoon Dog soit aussi fort. C'est une bête, quoi. Oh non, comment tu vas? Écoute, ça va mieux. Pourquoi tu ne l'aides pas, d'ailleurs? Tu as une batte avec la force de nos abonnés. Aide Cartoon Cat, bordel. C'est vrai, cette batte a la force de nos abonnés. Est-ce qu'ils ont mis des legs pour rien? Nous devons montrer notre force à Cartoon Dog. Apparemment, le pouvoir des abonnés est vraiment très puissant. Cartoon Cat! Cartoon Cat! Réveille-toi! Réveille-toi, Cartoon Cat! Oh, nous avons vécu tant de choses ensemble! Je n'arrive pas à croire ce qui t'arrive, Cartoon Cat! Il s'est transformé en sable! J'espère que nous nous reverrons un jour! Alina! 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 Tu es vivante! Alina, réveille-toi! S'il te plaît, ne te transforme pas en sable, toi aussi! Ok, ça marche toujours! Je suis content que tu sois vivante! Qu'est-ce que t'as fait? Voilà, mouchoir! Oh, Alina, regarde! Cartoon Cat s'est transformé en sable noir! C'est vraiment Cartoon Cat? C'était Cartoon Cat, ouais! Et Cartoon Dog, lui, il a complètement disparu! Tu as pu le tuer avec la batte, avec la force de nos abonnés, Alina! Merci beaucoup pour votre soutien! Je suis si heureux que tu sois vivante à la fin!